Bonjour, je me nomme Madame Bonazébi Diodrine, professeure de lycée. Aujourd'hui, nous continuons notre cours sur les généralités sur l'éducation physique. À titre de rappel, on avait vu, par rapport au sous-titre, le grand A, l'éducation physique et sportive. Nous avons vu l'échauffement en éducation physique et sportive. Le grand 3, l'ONSU, donc l'Office national du sport scolaire et universitaire. Et enfin, le grand 4, le sport individuel et collectif. Sur ce, nous rentrons dans le bain. Qu'est-ce qu'on entend parler par sport individuel et sport collectif? Le sport individuel, c'est une activité physique et sportive pratiquée par un individu. Exemple, l'athlétisme, la gymnastique, le cyclisme, la natation, le karaté et le judo. On va mettre tout ça au tableau. Petit 1, sport individuel. Sport individuel. 2 points. C'est une activité physique. C'est une activité physique et sportive pratiquée par un individu Exemple, nous avons la gymnastique, nous avons le judo, nous avons les 100 mètres. Ensuite, le sport collectif. Le sport collectif est une activité physique pratiquée en équipe. Exemple, le football, le handball, le volleyball, le basketball, le relais 4x100. Petit 2, le sport collectif. Deux points. C'est une activité physique et sportive pratiquée en équipe. Pratiquer en équipe. Point. Exemple. Le football. Le basketball. Le handball. Etc. Ou encore le relais 4x100. On peut ajouter le relais 4x100. 4x100 mètres relais. Voilà. Dans le sport individuel, nous pouvons dire que l'athlétisme est un sport individuel. Mais étant donné qu'il y a plusieurs familles, il faudrait préciser les 100 mètres. Pourquoi? Parce que le 4x100 mètres aussi, c'est une course de vitesse. Mais la différence entre les 100 mètres et le 4x100 mètres, c'est parce qu'au niveau du 4x100 mètres, cela devient un relais, donc un collectif. Par contre, au 100 mètres, ce n'est qu'un individu. Nous passons au grand 5, l'athlétisme. L'athlétisme est une discipline sportive qui regroupe les épreuves codifiées
et réglementer des courses, des sauts de lancer et de marche auxquels se livrent des athlètes. Nous allons mettre ça au tableau. Petit 1, définition. L'athlétisme est une discipline. L'athlétisme est une discipline. Est une discipline sportive qui regroupe les épreuves codifiées et réglementée de courses des sauts de lancer et de marche. Voilà. Auquel se livrent les athlètes. Exemple. La course de vitesse, course de vitesse, 60 mètres, 80 mètres, 100 mètres. Le saut en longueur, en hauteur, le triple saut, le lancer de poids, voilà, le lancer de poids, de javelot, de marteau. Les courses de fond entre par course de fond et demi-fond, entre parenthèses, 800, 1500, 3000, 5000, 10 000 mètres, et ainsi de suite. Nous avons enfin les épreuves de marche. Épreuve de marche. Dix kilomètres, 21 kilomètres, 42 kilomètres. Voilà à peu près ce que l'on peut dire sur la définition de l'athlétisme. Une petite précision. On l'a dit, l'athlétisme est une discipline sportive qui regroupe les épreuves codifiées et réglementées de courses, de sauts, de lancers et de marches auxquelles se livrent les athlètes. Donc, ces courses-ci sont codifiées et réglementées. Ces sauts sont codifiés et réglementés. Les lancers, pareil. Les courses de fond, pareil, et enfin les épreuves de marche. Voilà pourquoi on a parlé des épreuves codifiées et réglementées. Il y a des codes et il y a des règlements. Voilà à peu près ce que l'on peut dire sur les généralités sur l'éducation physique.
Nous allons passer à deux questions de compréhension pour voir si le cours a été bien assimilé. Par rapport au cours d'aujourd'hui, la première question est donner la différence. La différence entre le sport individuel et collectif. Citez deux exemples chacun. Deux exemples. Chacun. Voilà. La deuxième question. La deuxième question, on dit citer les épreuves de course de vitesse. De course de vitesse. Que vous connaissez. Alors, par rapport à ces deux petites questions, donnez la différence entre le sport individuel et collectif. C'est très simple. Le sport individuel est une activité physique et sportive pratiquée par un individu. Exemple, la gymnastique et les 100 mètres. Le sport collectif est une activité physique et sportive pratiquée par une équipe. Exemple, le football, le handball ou le relais 4x100. Et ici, où on nous dit, cite les épreuves de course de vitesse que vous connaissez. On a bien précisé les épreuves de course de vitesse. Alors, nous prenons le 60 mètres, le 100 mètres, le 80 et peut-être même les 100 mètres. Voilà comment il faudrait répondre à ces deux petites questions de compréhension. Merci beaucoup pour le cours d'aujourd'hui. On a fini et on se retrouve à bientôt.